Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais saluer les personnes qui sont déjà présentes. Rory est là, Nadia est avec nous, Stardust est là, Victoria Jacques est là aussi, Cosmina Bellou est avec nous, MJ est là, Victoria Posse aussi, Sarah, Hilary est avec nous, Yossi est là, Maria Betania, Stardust, Stardust m'a offert un café. Eh ben ça c'est gentil, surtout que j'ai mon café avec moi ici. Donc Stardust, on peut imaginer que vous m'avez offert le café que je bois. Merci beaucoup. Irène est avec nous. Olga Ruiz est là. Naïef est là. Liliana est là. Ashwati est là. Yesero aussi. Anna est là. Manal est avec nous. YouTube Browser est là aussi. George est avec nous. Sus0000 est avec nous aussi. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Et puis, ben, on va commencer tout de suite. Regardez, le petit conseil pour commencer, parce que j'avais remarqué que peut-être ce serait plus facile si je vous donnais juste ce petit conseil-là, si vous avez la possibilité, vous devriez utiliser un dictionnaire pendant le cours si vous rencontrez des mots que vous ne comprenez pas. Donc ce sera plus rapide plutôt que de me demander dans le chat, parce que quand vous demandez dans le chat, parfois je ne vois pas, ou alors parfois nous avons déjà commencé à faire autre chose. D'accord ? Donc moi je vous conseille Word Reference, je pense que c'est un bon dictionnaire. Et en général, j'imagine que vous cherchez plutôt des mots, parce que souvent c'est ce que vous me demandez. Donc voilà, ça c'est mon conseil, si c'est possible. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Voilà. Et si vous avez, avant de commencer, d'autres suggestions de dictionnaire, écoutez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat maintenant pour que les autres personnes puissent en profiter. Regardez, comme d'habitude, une petite correction en direct. Hop là ! Allez-y, si vous avez des suggestions, des propositions de dictionnaire, s'il vous plaît, notez-les maintenant et après on va commencer les choses sérieuses. Alors, Yossi nous dit le Larousse. Ben écoutez, c'est vrai que le Larousse, alors, si on parle d'un dictionnaire unilingue, il est toujours très, très, très bon. Le Robert hein, aussi. Là, si vous préférez des versions bilingues, je ne sais pas si c'est plus efficace ou pratique pour vous. Sancrotte nous rejoint, bonjour. Regardons les autres. Save the Best nous rejoint aussi. Isis Vera est là, Maria aussi, Ritem aussi. Alors, Ice Cubes nous dit, mais je ne vois pas ce que j'ai déjà écrit. Ben écoutez, j'ai cliqué sur vous pour que tout soit normal. Donc, on va regarder Ice Cubes. Ne vous inquiétez pas, ces choses technique, on les règle. Donc, Sapna qui dit j'utilise DeepL et Google Translate et Word Reference aussi. Ouais. Personnellement, si je pouvais faire une comparaison entre DeepL et Google, je vous conseille peut-être DeepL plus que Google. Pour si vous voulez traduire des phrases, mais mon conseil, c'est la traduction de phrases n'est peut-être pas une bonne chose à un niveau avancé. Un niveau avancé, c'est toujours bien d'avoir finalement juste une traduction de mots et après comprendre la structure de la phrase
par vous-même. Ce serait mon conseil. Donc voilà, nous pouvons commencer. Si jamais vous avez des propositions de dictionnaire, eh ben, vous pouvez les mettre dans le chat. Merci. Alors, la question du jour, en ce moment, je trouve que la vie est belle parce que c'est pour avoir une attitude, allez, très optimiste. En ce moment, je trouve que la vie est belle parce que faites-moi une phrase pour me dire, eh bien, pourquoi, même si c'est parfois difficile, finalement, la vie est pas mal. Allez-y, vous avez une minute. Alors, cats forever a une question. So it's a question in English. Why are the French such ignoble hypocrites? It's a strange question. I don't really know. I mean, apparently you've been having some difficult situations with French people. And it's always interesting to do some clichés. We've been covering the clichés yesterday and the day before. So if you want to communicate in English, in that case, it should be tomorrow, which will be for the beginners, or then the day after for intermediate cats forever. But today it's only in French. And you can come back with your question, because it's an interesting question. I mean, you could say, where are you coming from? What are the clichés regarding your nationality? And we can discuss about that. It's always interesting. But well, let's continue now. Maintenant, on va continuer avec ce que nous avons commencé. YouTube browser. Je trouve que la vie est belle parce que ma fille me rend visite maintenant. Alors là, je suis d'accord. Les enfants apportent la lumière, hein, dans l'obscurité de nos vies, parfois. Nadia. So it means at this moment I find life beautiful because... Yes, Nadia. Nadia, this is, as I said previously, this lesson will be only in French. So if you want to have English, in that case, you can come tomorrow at the same time. It will be for beginners, or then the day after, it will be for intermediate. And I will use English, but not now. Today, I'm not. Yesero, je trouve que la vie est belle, vu que je peux marcher au bord de la mer et voir des mouettes et cygnes et regarder les vagues. Faites attention, Yesero, les ondes, c'est dans l'air. Les vagues, c'est la mer ou un lac ou une rivière. Naïef, parce que je peux faire tout ce que j'aime. Eh oui, c'est très bien, Naïef, bravo. Irène, en ce moment, je trouve que la vie est belle parce que je viens de faire du workout, donc de la gymnastique, de la gym, et manger, eh oui. Victoria Possé, en ce moment, je trouve que la vie est belle parce que j'ai tout le temps pour moi. Et ça, c'est important d'avoir le temps de faire les choses qu'on aime. Nadia, je trouve que la vie est belle parce que l'amour existe encore. C'est vrai. Ebrou, je ne comprends pas ce que vous écrivez. Hilary, je trouve que la vie est belle parce que chaque jour est un nouveau jour. Très bien. Attention, Hilary, jour, pas de E à la fin. D'accord? Mais c'était très bien. Ritem, en ce moment, je trouve que la vie est belle parce qu'on apprend de nouvelles choses toujours. Oui, faites attention, Ritem, chose, c'est féminin. Donc l'adjectif nouvelle doit être au féminin pluriel, V-E-L-L-E-S. Maria Bethania, en ce moment, je pense que la vie est belle parce que je suis
avec ma famille? Ou est-ce que c'est... Non, je suis en bonne santé avec toute ma famille, probablement. Mélissa de Madrid, bonjour. Suzanne, bonjour, vous pouvez participer. Yossi, je trouve que la vie est belle parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Kirill, je ne travaille pas et je me repose. Eh bien, ça, c'est une bonne chose. Cosmina Bellou, en ce moment, je trouve que la vie est belle parce que je suis en bonne santé. Dans mon pays est en paix, oui, et je peux faire ce que je veux, sauf voyager. Mais cela n'est pas très grave. Oui, il faut accepter certaines choses, hein. Et puis relativiser surtout. Berilla 71. En ce moment, je trouve que la vie est belle parce qu'il y a beaucoup de belles couleurs dans la forêt. Et oui, ça dépend dans quelle partie du monde vous vivez. Mais c'est vrai que dans certaines parties du monde, il y a des couleurs incroyables dans la forêt. Jim, même si nous sommes confinés ici, je peux voir mes amis et ma famille chez nous de temps en temps. Ça me fait du bien. Ça, c'est très très bien, Jim. Stardust, je trouve que nous n'avons pas cette vie et nous ne devrions en faire une meilleure. D'accord. Très bien. Sapna, en ce moment, je trouve que la vie est belle parce que je suis finalement titulaire du B1 en langue française. Oui, bravo. Bravo, Sapna. Le B1, c'est une bonne chose. Il faut après vous préparer pour le B2. Le B2, c'est un petit peu plus sportif, mais c'est en général, c'est pas très très complexe. Si vous avez le B1, vous avez la motivation, et le B2, c'est juste une formalité. Il faut bien vous préparer quand même, hein. Sarah, je trouve que la vie est belle parce qu'à cause du virus, je peux visiter ma famille et rester avec ma famille à Toronto et travailler là-bas. Très bien. Sans crotte, je trouve que la vie est belle parce que nous pouvons avoir de la joie quand nous mangeons. Eh oui. Alors, sans crotte, est-ce que vous aimez bien préparer des choses, hein? MJ, parce que j'ai avec moi ma famille dans cette situation particulière. Ben, c'est vrai. Samar, bonjour. Barty, en ce moment, je trouve que la vie est belle parce que j'ai retourné ou je suis rentré dans mon village après longtemps. Il y a le silence, la paix et en plus, il n'y a pas le coronavirus ici. Mais ça, c'est une bonne chose. Ice Cubes, la vie est toujours belle comme ça, mais sans autre, Vincent. Ah, aujourd'hui, oh, je suis comme Sartre, l'enfer c'est les autres. Ah oui, il y a des jours, Ice Cube. Encore une fois, relativisez, si vous avez un petit peu de champagne, ça peut aider. Moi c'est le café. Jean, parce que je suis avec mon amour maintenant et on va voyager à Paris ensemble pendant quelques jours. Jean, faites très 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 attention. En ce moment à Paris, c'est peut-être pas la bonne destination, mais mettez les masques, ne touchez rien et marchez. Faites vraiment attention, Jean. Liliana, je trouve que la vie est belle parce qu'on peut développer tous les buts qu'on veut avec effort et décision. Ça, c'est vrai. Mélissa, parce que je me reconstruis chaque jour. Et ça, c'est très important, Mélissa. Félicitations. Ekouvanisht, je pense que la vie est belle parce que la vie est unique. Et ça, c'est vrai. Olga, bonjour. Manal Sharif, je suis sortie avec mon fils. Et ça, c'est sympathique de sortir avec ses enfants. Mouskan, bonsoir. Vincent, en ce moment, je trouve que ma vie est belle car je suis à l'abri du coronavirus. Oui, ça, c'est vrai que c'est... Si vous êtes à l'abri, restez là où vous êtes. I love math. En ce moment, je trouve que la vie est belle parce que j'étudie les mathématiques. Très bien. Ah ben les mathématiques, hein, si vous adorez, c'est une histoire d'amour pour certaines personnes. Sarah, corrige, Norman, même sans argent, la vie est belle. Ben oui, il y a une chanson hein, là-dessus de Charles Aznavour. Mujahid, la vie est belle car j'ai réparé le lave-vaisselle. Oui, j'avais l'habitude de laver la vaisselle 12 fois par jour.
Ah oui, il y a un moment où il faut trouver la motivation quand même, et 12 fois par jour. Après oui, il faut nettoyer, il faut réparer le lave-vaisselle. Allez, on y va. Donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois, je vous le dis, j'essaye au maximum de répondre à vos questions, mais parfois ça va très très vite, ça dépend, quand il y a beaucoup de personnes, je ne peux pas tout voir. Donc, la solution, c'est de me demander, c'est-à-dire de me poser votre question, vous l'écrivez ou vous l'enregistrez en audio ou en vidéo, comme vous voulez, vous me l'envoyez à l'adresse askvincent@fluent2plus.com. Et ensuite, eh bien, écoutez, je vais faire une sorte de compilation avec toutes les questions, peut-être pendant les lives, peut-être une vidéo qui sera sur la chaîne, et puis j'essaierai de répondre à vos questions. La seule chose, si vous me posez votre question en anglais, je vais répondre en anglais. Si vous me posez votre question en français, je répondrai logiquement en français. D'accord ? Donc, on va juste essayer de respecter cette logique. C'est vous qui décidez, mais vous demandez en français, je réponds en français. Vous demandez en anglais, je réponds en anglais. Mais n'hésitez pas à me demander, ça me fait très très plaisir. Voilà, j'étais parti sur la douceur du jour et puis finalement, quand j'ai préparé, je me suis dit que le plat du jour serait peut-être plus intéressant parce que j'avais envie de vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, ce plat qui est incroyable. On appelle ça la bouillabaisse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la bouillabaisse, mais ben c'est quand même quelque chose de très très traditionnel, en tout cas dans le sud de la France. Donc découvrons ensemble la bouillabaisse, comme d'habitude, avec trois choses. Je vais vous lire trois points de présentation et vous écrivez les mots qui manquent. Allez, nous commençons avec la première chose. La bouillabaisse est une spécialité culinaire, traditionnelle et institutionnelle de la cuisine de la Provence méditerranéenne. La bouillabaisse est une spécialité culinaire, traditionnelle et institutionnelle de la cuisine de la Provence méditerranéenne. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je regarde ce que vous m'écrivez. Donc, nous étions ici, en fait, à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est culinaire. Alors, cet adjectif sera la même forme au masculin ou au féminin. D'accord ? Donc, on l'écrit C-U-L-I-N-A-I-R-E.
E, donc masculin ou féminin. Ici, une spécialité, c'est féminin, mais notre adjectif ne change pas. Ensuite, c'est un autre adjectif et c'est institutionnel. Vous voyez ici que c'est la forme féminine, puisqu'en fait, c'est toujours lié à spécialité qui est féminin. Donc, institutionnel, E-L-L-E à la fin, puisque c'est le féminin. Et puis la dernière chose, eh bien là encore, c'est un adjectif et là encore, c'est la forme féminine de cet adjectif parce qu'il est lié au mot cuisine, ou non, pardon, il est lié, il est lié au mot Provence. Et c'est Provence, et eh bien c'est féminin aussi, hein. Ça aurait pu être cuisine méditerranéenne, mais ici c'est la Provence méditerranéenne. Donc regardez bien ici, vous allez mettre le féminin, donc à la fin et après votre E accent aigu, E-N-N-E. Voilà, allez, on continue avec la deuxième chose concernant la bouillabaisse. Originaire de Marseille, dont elle est un emblème, elle se compose d'une soupe de poisson accompagnée de croûtons de pain. Originaire de Marseille, dont elle est un emblème, elle se compose d'une soupe de poisson accompagnée de croûtons de pain. Écrivez les mots qui manquent. Alors, je vois que vous m'écrivez vos mots. Alors, Grecha, anyone not French? Well, I am French, Grecha. Grecha, the lesson is in French. But remember, Grecha, that tomorrow it will be in English and the day after will be in English. Okay, so per week we have 4 lessons in English and 2 lessons in French. Today it's only in French. Alors, regardons nos 3 mots. La première chose, eh bien, c'est originaire. Originaire, on l'écrit, ben, comme vous voyez, O-R-I-G-I-N-A-I-R-E. Je regarde, non, c'était bien écrit, donc oui, bah, félicitations à tout le monde. Attention Hilary, vous avez écrit originel, ah, non, c'est originel, oui, faites attention, non, c'était pas ça. Ouria, originel aussi, non, faites attention, c'était originaire, originaire. Ensuite, emblème, eh bien, comme vous voyez, c'est un substantif. Un emblème, on l'écrit avec un accent grave, idéalement, si vous avez les accents sur votre clavier. N'oubliez pas le E final. Et puis, la dernière chose, encore une fois, un substantif. Ici, c'est au pluriel, hein, parce qu'on suppose qu'il y en a plusieurs. Hein. Un crouton, ce serait quand même... Ce serait un petit peu limite, soyons généreux. Donc, accompagné de croûtons, au pluriel, C-R-O-U, accent circonflexe, T-O-N-S. Si vous ne mettez pas l'accent circonflexe sur crouton, en tout cas sur le U, ça n'est pas la fin du monde. On a discuté de cette chose-là il y a quelque temps. Et celui-ci, vous pourriez clairement, ne pas le mettre. Regardons, eh bien, la troisième chose concernant cette bouillabaisse. L'origine de cette recette de Marseille
remonterait à la période antique, au 7e siècle avant J.C. L'origine de cette recette de Marseille remonterait à la période antique, au 7e siècle avant J.C. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble ce que vous avez écrit et ce que j'ai écrit. Alors, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien écoutez, c'est le démonstratif, c'est 7. Ici, ce qui est important, bien sûr, c'est de déterminer le genre. Ici, nous savons que recette est féminin, une recette, donc nous allons utiliser les démonstratifs, enfin le démonstratif féminin, singulier, 7, C, E, T, T, E. Ensuite, l'autre chose, c'était un verbe, c'est le verbe remonter. Remonter, verbe régulier du premier groupe. Ici, on utilise le conditionnel parce que ça n'est pas une information qui est certaine, qui est sûre et certaine. Donc, en général, quand on veut donner une information, mais donner cette notion de doute, c'est-à-dire que c'est difficile d'être sûr, on va utiliser le conditionnel. Et ici, vous avez la forme du conditionnel, troisième personne du singulier, remonterait. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est un substantif, c'est le mot siècle. Souvenez-vous que c'est masculin, un siècle, c'est la raison pour laquelle on met O, hein, tout simplement parce que c'est A plus le. Hein, donc au 7e siècle. Voilà, regardons ensemble les trois choses parlent de la bouillabaisse. S'il vous plaît, faites la lecture avec moi à voix haute. Première chose, la bouillabaisse est une spécialité culinaire, traditionnelle et institutionnelle de la cuisine de la Provence méditerranéenne. Deuxième chose. Originaire de Marseille, dont elle est un emblème, elle se compose d'une soupe de poisson accompagnée de croûtons de pain. Troisième chose. L'origine de cette recette de Marseille remonterait à la période antique, au 7e siècle avant J.C. Alors, vous le savez peut-être, depuis le début de la semaine, nous organisons deux concours. Donc, vous pouvez gagner à deux reprises pendant le live. Ça, c'est eh bien, le premier cadeau que je vais vous faire.
S'il vous plaît, respectons les règles. Vous allez attendre la musique pour commencer. Parce que ça devrait aller assez rapidement, normalement. Il y a, 100 personnes qui sont là, donc on va voir. Et la deuxième chose aussi, pour que tout le monde puisse en profiter, eh bien les personnes qui ont déjà gagné quelque chose ne peuvent pas participer. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. Soyons gentils avec les autres. Alors, j'explique les règles pour les personnes qui sont nouvelles. Je vais noter sur ce petit papier, avec ce crayon, un nombre qui va être compris entre 1 et 20. Donc ça va être assez rapide, je pense. Ensuite, vous allez essayer de trouver, eh bien, ce nombre, s'il vous plaît, une seule proposition par personne, parce que nous savons bien que nous avons, eh bien, la police avec nous. La police s'appelle Ice Cubes, qui n'a pas encore gagné. Et donc, elle va regarder si quelqu'un ne respecte pas les règles, parce qu'il faut respecter un minimum les règles. Une seule proposition par personne. Et puis, eh bien, la personne qui va gagner, qui va trouver le nombre, pourra avoir un accès à une des plateformes que j'ai créées. Celle-ci s'appelle frenchforest.net. Et cette plateforme vous propose uniquement, en fait, des fichiers audio. Donc, pour écouter, c'est un petit peu comme des podcasts, si vous voulez, vous pouvez les mettre. Pour la prononciation, il y a des phrases, il y a bien sûr les verbes, il y a toutes les choses que j'ai préparées jusqu'à maintenant, mais uniquement des fichiers audio. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Vous allez me donner une toute petite seconde, parce que je vais noter, regardez. Voilà. J'ai noter mon nombre. Alors, pas tout de suite, pas tout de suite. Tiens, on va mettre cette petite chanson. J'espère que vous êtes prêts. Bonne chance à tout le monde. On y va. Vous pouvez commencer. Kengaitella alla maailma ja ne tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka allen sinut musertaa. Sen reunan ja asetut roikkumaan niin, et ainoa mitä teet. Alors, quel plaisir incroyable. Naïef, est-ce que vous êtes là? Naïef, alors attendez, je regarde, essai. Naïef Rouchel Amal. Naïef Rouchel Amal, est-ce que vous êtes avec nous? Si vous êtes encore avec nous, vous nous avez proposé très habilement 11, puisque 11, eh bien, c'était mon chiffre, mon nombre, pardon. Et donc, 11, c'était mon nombre. Naïef, félicitations, ou Naïef Rouchel Amal, bravo à vous, j'espère que vous êtes là. Oui, vous êtes là, eh bien, c'est formidable. Écoutez, bravo.
Alors Naïef, je vais vous expliquer comment ça marche. Regardez comment ça marche. Vous allez créer votre compte sur FrenchForest.net, vous allez m'envoyer un message pour me donner votre identifiant, en tout cas le nom sous lequel vous vous êtes inscrit, à l'adresse suivante thewinner@fluent2plus.com et je vous donnerai eh bien, l'accès à tous les cours de la plateforme. Donc vous aurez de l'audio. Plus que... Ah, je ne sais pas, il vous faudra une très très longue vie pour pouvoir tout écouter parce que j'ai fait beaucoup de choses. En tout cas, ça fait très très plaisir. J'espère que vous allez en profiter et continuer à étudier le français. Et je pense que, en tout cas, ça va vous aider si vous voulez étudier avec moi. Remix Studio, I wrote first 11. I'm not really sure, I will have a look at that Remix Studio. No worries, don't worry about that. But I didn't see you, Remix Studio. So we can scroll back, and this is the good thing about that. Merci beaucoup. Allez, nous continuons joyeusement notre cours. Alors, nous allons continuer. Remix Studio, I just saw the thing and sadly, I mean, you can scroll back, you can scroll up if you want and you will see that, no, you were second and that's the way it goes. But don't worry, I mean, you can continue and we've got another thing after. At the end of the lesson, you've got the big gift. Ne vous inquiétez pas, nous continuons. Nous allons finir hein, avec cette histoire d'Emily à Paris. Puisque nous avons envie de couvrir tous les épisodes, bien sûr. Là, c'est l'épisode 8. Et dans l'épisode 8, eh bien, que se passe-t-il ? Nous allons découvrir ce qui se passe dans cet épisode. Regardez, il y a un petit peu plus de mots, parce que c'est un niveau avancé, et je pense que vous pourrez tout noter. Je vais vous lire, et vous allez écrire les mots qui manquent. Emily est invitée par son amie dans sa maison natale qui est un château. Son week-end pétille comme du champagne, mais elle fait une rencontre qui la met dans une situation délicate. De son côté, Mindy retrouve à contre-cœur d'anciennes amies. Emily est invitée par son amie dans sa maison natale qui est un château. Son week-end pétille comme du champagne, mais elle fait une rencontre qui la met dans une situation délicate. De son côté, Mindy retrouve à contre-cœur d'anciennes amies. Écrivez les mots qui manquent. Alors ici, nous sommes à la recherche de plusieurs choses. La première chose, eh bien, c'est invité. Alors dans ce cas précis, là, c'est un passif. Donc ça veut dire que nous voulons écrire le participe passé. Le participe passé doit être au féminin, puisqu'ici, le sujet, eh bien, c'est Émilie. Émilie est invitée
on ne le prononce pas, mais on doit écrire le féminin et e. Ensuite, un adjectif. L'adjectif, c'est natal. Natal ici, eh bien, on va le mettre au féminin puisque natal est clairement lié à maison. Souvenez-vous que on va mettre un e à la fin. Si c'était masculin, ce serait natal. Ici, c'est féminin, donc on va écrire avec un e final. Ensuite, c'est un substantif et c'est une rencontre. Alors, c'est féminin, vous le voyez ici. Bon, en général, c'est pas très très difficile. Je regarde vos formes et tout a l'air très bien. Faites attention, Yana. R-E-N, hein, comme vous avez vu, rencontre. Irène, c'est pareil. Hein. Ran, rencontre. Les autres, j'ai l'impression que c'est à peu près correct. Sapna, attention, rencontre, R-E-N. Les autres, ça va, oui. Regardons, la chose suivante, eh bien, c'est un adjectif et c'est délicate. Hein. Souvenez-vous ici que délicate, eh bien, c'est, il doit être au féminin parce que le mot situation est féminin. Et puis ensuite, alors le verbe c'est retrouver. Ici, c'est un verbe bien sûr régulier du premier groupe au présent à la troisième personne du singulier. Donc elle retrouve, R-E-T-R-O-U-V-E. Et puis finalement, eh bien c'est un adjectif. C'est un adjectif qui doit être au féminin pluriel, puisque vous voyez que ami est au féminin pluriel. Donc féminin pluriel, A-N-C-I-E-N-N-E-S. Très bien. Alors, secours est un niveau B2, il me semble que c'est B1 ou A2. Attendez, Sus, on va faire un petit peu de conjugaison. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir vos limites. Allez, nous continuons avec justement, Sus, ça c'est juste pour vous, le verbe du jour. Alors, le verbe du jour, eh bien écoutez, c'est un verbe du troisième groupe et c'est construire. Alors, comme d'habitude, hein, puisque Sus posait la question, si vous devez passer le niveau B2, le DELF B2, eh bien ce sont ici les temps que vous devez absolument maîtriser. Donc les trois modes, indicatif, conditionnel et subjonctif, avec tous les temps de ces modes. Pour que ce soit, bien sûr, plus facile et plus rapide, et aussi pour essayer de retrouver une certaine logique dans la construction de tous ces temps, nous allons juste nous concentrer sur la première personne. Donc, s'il vous plaît, présent de l'indicatif, première personne du verbe construire, écrivez s'il vous plaît. Alors ici, effectivement, la première personne, eh bien, c'est « je construis ». Souvenez-vous que ce verbe, en fait, vous allez, il n'est pas très très complexe au présent. « Je construis », « UIS », « tu construis », « UIS », « il », « elle construit », « UIT ». Phonétiquement, c'est la même chose, mais bien sûr, on les écrit différemment, comme d'habitude pour les verbes du troisième groupe au présent. Ensuite, « nous construisons ». Vous construisez, ils, elles construisent,
E-N-T. Donc ça, en général, c'est pas très compliqué. Regardons ensemble, toujours la première personne, s'il vous plaît, du futur simple. Construire au futur simple, je, allez-y. Mais que se passe-t-il ? Vous le savez, le seul petit plaisir que j'ai, mon plaisir personnel, c'est d'avoir au minimum 100 likes à chaque live. Et là, je dois dire que je suis surpris. Il y a 118 personnes qui regardent et j'ai uniquement 64 likes. Je ne peux pas continuer comme ça. Vous le savez, je peux pleurer en direct. Et là, c'est embarrassant pour vous et pour moi. Et personne ne veut que je pleure en direct. Non. S'il vous plaît, cliquez sur le like. J'ai juste envie d'avoir 100 likes. C'est mon petit plaisir à moi. Voilà. Allez, on va regarder ensemble maintenant ce que vous avez écrit et bien sûr, nous allons voir la forme. Alors, quand on construit en fait le futur simple pour construire, c'est relativement simple. Vous allez retirer le « e » final et vous obtenez votre radical. Ensuite, vous allez tout simplement mettre la terminaison. Votre terminaison pour « je », eh bien, c'est « ai ». « Je construirai »,« tu construiras »,« il, elle construira »,« nous construirons », »,« vous construirez », »,« ils, elles construiront ». Allez, on continue avec le premier temps composé. C'est le passé composé. Première personne, s'il vous plaît. Alors Ice Cubes, non, il n'y a pas de méthode pour liker plusieurs fois. Non, non, non. Alors ça, c'est comme les règles pour le concours. On doit respecter les règles. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, un like par personne, c'est pas possible d'en mettre plus. Heureusement, je veux un like par personne, s'il vous plaît. Alors regardons maintenant, regardons, et ici le verbe construire, eh bien c'est toujours pareil pour les verbes ou pour les temps composés, quel auxiliaire on utilise ? Construire, comme la majorité des verbes, va utiliser l'auxiliaire avoir. Donc vous mettez avoir au présent, j'ai. Et ensuite vous allez mettre, eh bien, le participe passé qui est construit, ui. J'ai construit, d'accord ? Donc ça, c'est pas très très complexe, normalement. Regardons ensemble l'imparfait, s'il vous plaît, première personne de l'imparfait pour le verbe construire. Voilà, alors ici, ce qui est important, eh bien, c'est d'identifier ce qu'on peut appeler le radical. Notre radical ici, c'est construise. Ça veut dire qu'on va l'écrire C-O-N-S-T-R-U-I-S. Ça, c'est notre radical. Et ensuite, vous allez mettre les terminaisons. La terminaison pour la première personne, c'est A-I-S, je
construisait. Tu construisais, il, elle construisait. A-I-S, A-I-S, A-I-T. Nous construisions, vous construisiez, il construisait, A-I-E-N-T, pour la troisième personne du pluriel. Deuxième temps composé de notre liste, c'est le plus que parfait. Eh bien, s'il vous plaît, donnez-moi la première personne. Alors effectivement, là c'est toujours pareil, hein, c'est un temps composé. Donc ça veut dire que nous utilisons toujours eh bien, notre auxiliaire avoir que nous mettons à l'imparfait, j'avais. Et ensuite, on va encore utiliser notre participe passé construit, j'avais construit. Souvenez-vous, le plus que parfait, c'est le passé dans le passé pour l'utilisation. Le troisième temps composé de notre liste, c'est le futur antérieur, hein, qui est le passé dans le futur. S'il vous plaît, première personne, futur antérieur du verbe construire. Alors là encore, c'est un temps composé, donc normalement, si vous avez compris la façon de construire, ça n'est plus compliqué, nous utilisons avoir. Avoir doit être au futur simple, j'aurai. Et ensuite, nous allons utiliser eh bien, le participe passé, construit. J'aurai construit. Attention Mélissa Madrid, j'aurai pas de S, hein, parce que c'est le futur. Si vous mettez un S, attention, c'est le conditionnel passé. Donc pas de S à j'aurai, s'il vous plaît. Avec le S, comme j'ai dit, ça existe, mais c'est un autre temps. Faites bien attention à ça. Nous continuons avec le temps que notre ami Yossi préfère. C'est le passé simple. Alors, le passé simple, eh bien, nous sommes d'accord que, encore une fois, c'est une forme que vous n'allez pas utiliser, mais que vous devriez connaître, juste pour pouvoir identifier le verbe et comprendre que c'est tout simplement un passé simple. Donc, je construisis, hein, je construisis, c'est la forme du passé simple. Bon, en général, vous pouvez quand même l'identifier, mais comme je vous ai dit, vous n'allez probablement jamais l'utiliser. Ça n'est pas grave. Allez, on continue avec le conditionnel présent. Conditionnel présent, première personne, s'il vous plaît.
Alors, Renato Silva qui me dit « donne un exemple ». Faites attention, Renato, parce que en français, on utilise assez... il faut faire très attention quand on utilise l'impératif. Dans la plupart des cas, si vous dites « donne un exemple » comme ça, c'est très, très, très mal poli. Donc, faites très attention. Les Français pourraient être choqués. Allez, construire au conditionnel présent. Eh bien, c'est la même logique de construction, en fait. C'est-à-dire que vous allez retirer le final pour obtenir votre radical. Et donc, vous allez ensuite mettre eh bien, la terminaison pour « je ais ». « Je construirai ». « Tu construirais ». Il, elle, construirait. Nous construirions, vous construiriez, il construirait, A-I-E-N-T, elle construirait, A-I-E-N-T. Voilà, ça c'est le conditionnel présent qu'on utilise très très fréquemment. Regardons ensuite le quatrième temps composé de notre liste, c'est le conditionnel passé, toujours la première personne s'il vous plaît. Alors, donc c'est un temps composé, donc encore une fois, ça veut dire qu'avoir, puisque nous savons que nous utilisons avoir, doit être au conditionnel présent. Donc là, j'aurais, et là vous avez le S, hein, que nous n'avions pas tout à l'heure. J'aurais donc A-I-S, et puis nous mettons bien sûr notre participe passé qui est toujours construit. J'aurais construit. Allez, les deux derniers, c'est le présent, le subjonctif présent. Et vous savez que j'aime bien le subjonctif présent. Regardons la forme ensemble. Toujours je, s'il vous plaît. Alors ici, donc la forme, c'est que je construise. Yossi qui dit le verbe construire est difficile pour prononcer le R. Vous voulez dire la connexion entre le T et le R? Tre. Ouais. C'est pas, souvenez-vous, hein, Yossi, c'est pas très très fort le R. Donc vraiment, c'est clairement, ça n'est pas avec la langue. Hein, tre. Mais c'est guttural, mais allez-y doucement avec, avec la gorge, parce que ça peut faire mal. Donc, tre, si vous voulez, vous faites le tre, comme ça, mais le H, c'est aussi une proximité tre. Donc, ça doit sortir. Hein. On pourrait travailler dessus, si vous voulez. Je pourrais peut-être vous proposer des exercices. Donc, je construise. Ouria demande comment formez-vous le subjonctif. Alors, Ouria, j'ai fait des vidéos pour la formation du subjonctif parce que c'est un petit peu complexe. On utilise en fait deux différents radicaux pour la construction. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un petit peu difficile. Donc, je vous invite à regarder mes vidéos, surtout sur le subjonctif. J'ai fait vraiment des vidéos très, très détaillées. Donc, si vous voulez, regardez-les, parce que c'est vraiment des vidéos qui sont assez longues. Allez, on continue, si vous voulez bien, avec le subjonctif
passé. Le subjonctif passé. Et on continue avec je. Et le subjonctif passé est un verbe composé. C'est le dernier verbe composé de notre liste. Allez-y. Alors, encore une fois, puisqu'on sait que le subjonctif passé, eh bien, c'est un temps composé, nous allons utiliser « avoir » que nous allons mettre au, eh bien, subjonctif présent, que « j'ai », souvenez-vous, « a-i-e ». Ensuite, nous allons mettre, eh bien, le participe passé « construit ». Que « j'ai construit », eh bien, c'est notre forme de « subjonctif passé, et c'est la fin de notre exercice de conjugaison. Félicitations, ça s'est très très bien passé, et je suis très 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 fier de vous. Bravo encore. Allez, l'épisode 9, encore deux épisodes et après, ce sera terminé. Épisode 9 de Emily in Paris. Mais en même temps, c'est quand même un très bon exercice de dictée de mots, puisque c'est de la compréhension et vous devez correctement écrire les mots que vous entendez. On commence, si vous voulez bien. Emily réussit à convaincre un grand couturier de faire le don d'une robe pour une vente aux enchères au cours d'un gala de charité. Un duo de designers d'avant-garde décide de l'acheter pour en faire quelque chose de très original. Emily attire l'attention de l'héritier de Pierre Cadeau. Emily réussit à convaincre un grand couturier de faire le don d'une robe pour une vente aux enchères au cours d'un gala de charité. Un duo de designers d'avant-garde décide de l'acheter pour en faire quelque chose de très original. Emily attire l'attention de l'héritier de Pierre Cadeau. Écrivez les mots qui manquent. Allez, et n'oubliez pas de m'aimer. Oh, les deux fonctionnent. Regardons ensemble les mots qui manquaient. La première chose, c'est un verbe. C'est le verbe «
convaincre qui est à l'infinitif ici, on l'écrit C-O-N-V-A-I-N-C-R-E. Donc là, c'était bien écrit. Ensuite, c'est un substantif, c'est un nom, c'est vente. Et on l'écrit V-E-N-T. Vous voyez que, eh bien, c'est ici féminin et c'est le substantif qui correspond au verbe vendre, qui est un verbe du troisième groupe. Ensuite, vous aviez eh bien, charité. Charité, on l'écrit comme on le prononce, ça n'est pas très difficile. Si vous avez un accent sur votre clavier, eh bien, ce serait idéal. Un accent aigu sur le E final. Ensuite, c'était eh bien, un verbe avec un pronom complément d'objet direct. Hein. L'apostrophe, ça c'est notre pronom complément d'objet direct, et le verbe à l'infinitif, acheter, A-C-H-E-T-E-R. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est un substantif. Faites attention, ça n'est pas le verbe. Le verbe c'est hériter, mais ici c'est le substantif. L'héritier, c'est la personne. Hein, elle veut attirer l'attention de qui ? De l'héritier, c'est une personne, et on écrit ça H-E, accent aigu, R-I-T-I-E-R. L'héritier féminin, l'héritière. Et le verbe, c'est hériter. Hériter de quelque chose, mais si j'hérite, je suis l'héritier. Et une femme sera l'héritière. Hein. Souvenez-vous, ici, ça n'est pas le verbe, c'est le substantif. Allez, j'espère que vous allez m'accompagner. Je suis en train de regarder les... Alors, Yossi qui a mis un deuxième like avec un téléphone. Ah mais non, moi je veux juste une personne par like, c'est le minimum. Mais c'est gentil aussi, merci. Alors, faisons la lecture ensemble. Émilie réussit à convaincre un grand couturier de faire le don d'une robe pour une vente aux enchères au cours d'un gala de charité. Un duo de designers d'avant-garde décide de l'acheter pour en faire quelque chose de très original. Émilie attire l'attention de l'héritier de Pierre Cadeau. Allez, c'est la photo du jour. Et effectivement, c'est incroyable. Regardez, il y a 163 personnes. Alors, regardons ensemble. 163 personnes et je n'ai toujours que 77 likes. Ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable. Soyez gentils avec moi. Soyez gentils avec moi. Cliquez sur le bouton. C'est juste pour me faire plaisir. Hein. C'est une sorte d'échange. Je vous propose ce cours et vous me cliquez. Vous cliquez un petit like. C'est très gentil. Alors, regardez, c'est la photo du jour et comme d'habitude, une phrase, s'il vous plaît, pour me décrire ce que vous voyez. Allez-y. Alors, Christopher, vous êtes bienvenu, Christopher. Vous pouvez écouter, vous pouvez participer, c'est comme vous voulez. We'll be right back.
Et c'est Georges qui est en premier, nous dit une table très sanitaire dans le monde de Covid. C'est vrai. On doit rire de ça parce qu'on a suffisamment pleuré. Songcrod qui nous dit les tables sont prêtes, féminin pluriel, ES, à servir des clients. Oui, Hillary, c'est la photo d'un bon restaurant à côté du lac. Faites attention, hein, de le, Hillary, se transforme en du. Daird, j'essaye de prononcer correctement. Une table avec les verres de vin, oui, et le coucher de soleil. Très bien. Souvenez-vous, coucher, vous allez mettre ER à la fin. Yesero, je vois le coucher de soleil, même chose, et une table qui... Quelqu'un a mis les couverts pour une soirée. Oui. Han nous dit, je vois le coucher de soleil qui me plaît parce que c'est très joli. Je n'ai jamais vu le coucher de soleil, c'est triste. Comment ça? Ah bon? Alors, Antonio, c'est comme une fête de gala. Renato, un dîner au coucher de soleil. Christopher, bonjour. Non, Christopher, vous êtes bienvenu. Participez ou écoutez, c'est comme vous voulez. Mais il faut cliquer sur like. N'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est la seule chose que je veux en échange, monsieur. Yossi, la table est déjà prête. Les visiteurs ou les invités ne sont pas encore venus. Victoria Jacques, une belle table à dîner au bord de l'eau, prête à ce que les gens boivent beaucoup de vin et mangent des plats délicieux. Ice Cubes, je vois une table longue pour faire une dégustation de vin différent. Je manque... Ah, faites attention avec le verbe manquer. On va faire probablement des exercices là-dessus prochainement. Le verbe manquer, il est à l'envers. Hein, c'est-à-dire que ces dégustations me manquent. Hein, ça me manque. Cosmina Bellou, c'est l'image d'aujourd'hui de tous les restaurants dans tous les pays. Au moins, les verres sont propres et les serviettes d'une grande blancheur. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de clients. MJ, j'adore faire les fêtes avec des amis. J'imagine d'être dans cette place, dans cet endroit, pour célébrer la fin de l'urgence sanitaire mondiale. Ben oui, tout le monde espère. On va faire la fête. C'est ce qu'on attend. Daria, sur cette photo, on voit une table avec des couverts et un coucher de soleil. C'est un bel endroit. Faites attention, c'est masculin. Mais donc l'adjectif BEL pour... Alors justement, Daria, faites attention. On va utiliser plutôt manger. D'accord ? Faites attention, comme je vous avais dit, le français familier, bon là, il n'y a pas de problème. Hein. Nous sommes entre nous. Mais... faites attention avec l'utilisation de bouffées, ça peut être un petit peu choquant pour certaines personnes. Victoria Possé, je vois une grande table bien organisée au fond, au bord du lac ou de la mer, pour de nombreux convives. Très bien écrit. Alors attendez, je regarde. Ah, Deirdre, d'accord, très bien. Deirdre, je vais essayer. Stardust, les tables sont prêtes à accueillir les invités lors d'une merveilleuse soirée qui ne manqueront pas de profiter pleinement de leur soirée. Ah, ça c'est très bien. Sapna, je vois des verres à bière. À bière ? Peut-être. Ah, vous voulez dire les autres vieux ? Ah, les verres, d'accord. Et il y aurait... donc ce sera le lieu d'une fête pour célébrer une occasion meilleure, d'accord ? Sus nous dit le paysage est beau. Mélissa, je vois un bon restaurant au bord du lac. Ah, le lac Léman peut-être, c'est possible. Mouskan, d'accord, vous communiquez avec Sapna, très bien. Ouria nous dit, il y a une table décorée avec beaucoup de verres, des cuillères et des fourchettes, probablement sur un balcon, c'est possible. Ne rencontrez-vous pas pendant le virus? Oui, bah oui, il faut faire très attention. Hein. Faisons attention. Christopher, c'est pas grave Christopher, vous pouvez écrire, faites des erreurs, je suis là pour corriger et l'ambiance est très bonne
Personne ne se juge ici. Joseph, je vois une table bien préparée. Alors Joseph, féminin préparé, avec un E, pour un dîner chic. Merci beaucoup à tous pour vos phrases. C'était vraiment très très bien. Je suis obligé de rire avec la phrase de Moujahid. Ça me rappelle quelque chose que j'ai vu il n'y a pas longtemps où quelqu'un disait que le cynisme est très très populaire actuellement. Alors, prononcer avec Vincent. Qu'est-ce que c'est prononcer avec Vincent? Eh bien, c'est la possibilité, parce qu'on va commencer bientôt maintenant. Je vais les intégrer dans les lives. Donc, l'idée, c'est tout simplement de vous enregistrer avec votre téléphone. C'est ce qui est probablement le plus simple. Ensuite, vous allez m'envoyer... Oups, c'est en anglais. Vous allez m'envoyer votre audio ou votre vidéo à cette adresse qui est pronounce@fluent2plus.com. Et ensuite, voilà, ça y est, c'est en français maintenant, je ferai une vidéo dans laquelle je vous donnerai des conseils, mais surtout, je vais les intégrer maintenant dans les lives. Donc, uniquement l'audio, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre la vidéo dans les lives, c'est pas la peine. Je vais juste mettre l'audio, donc même si vous m'envoyez la vidéo, je mettrai uniquement l'audio. Et je vous donnerai des conseils, et comme ça, tout le monde pourra en profiter. La phrase de la semaine, c'est toujours la même, et c'est « Je voudrais pouvoir parler français » couramment. Je voudrais pouvoir parler français couramment. Donc cette phrase, vous la lisez deux fois. Vous la lisez doucement et vous m'envoyez le fichier. Et après, on va voir, je suis en train de réfléchir, je vais l'intégrer dans les lives. On écoutera, je ferai les corrections. Ce sera une petite partie que nous aurons, une sorte de rubrique que je vais intégrer. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. J'ai reçu pas mal de choses déjà. Merci. Alors, peut-être que certaines personnes d'entre vous ont déjà entendu parler du verlan. La question, effectivement, c'est le verlan, c'est quoi? Eh bien, le verlan, personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était mon grand-père. Mon grand-père, qui s'appelait Henri, qui était né en 1914, m'a fait découvrir le verlan. Mon grand-père était né et a vécu dans cette partie de Paris qui est, on va dire, entre la place de Clichy, le Sacré-Cœur, enfin Pigalle. Donc cette région qui était une région finalement assez populaire où on parlait différents types d'argot et le verlan en faisait partie. Donc, dès mon plus jeune âge, mon grand-père, qui lui utilisait le verlan, m'a expliqué sa formation. Et c'est ce que nous allons voir, eh bien, ensemble maintenant. Alors, donc, l'argot du jour, le verlan, eh bien, on va d'abord voir ce que c'est.
Et comme d'habitude, eh bien, on va essayer de définir cet argot. C'est un argot, ça veut dire qu'il y a, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais mon grand-père m'avait fait découvrir beaucoup de choses en ce qui concerne la langue. Il y a bien sûr d'autres argots qui existent et qui existaient. Alors le verlan, c'est celui que nous connaissons en général, parce que c'est un argot qu'on continue à utiliser et qui est revenu, entre guillemets, à la mode dans les années 90, mais on va voir que c'est quelque chose qui existe depuis très, très, très longtemps. Allez, comme d'habitude, trois choses pour découvrir le verlan. Le verlan remonte au Moyen-Âge et a commencé à être utilisé par le peuple à partir du XVIe siècle. Le verlan remonte au Moyen-Âge et a commencé à être utilisé par le peuple à partir du XVIe siècle. Alors ici, trois choses, hein, comme d'habitude. La première chose, c'est le verbe que nous avons déjà eu tout à l'heure, hein, c'est le verbe remonter. Verbe régulier, ici à la troisième personne du singulier, donc remonte avec un E à la fin. Ensuite, c'est le verbe commencer. Alors le verbe commencer, donc bien sûr au passé composé, mais ici, vous écrivez uniquement le participe passé, C-O-M-M-E-N-C-E, accent aigu. Donc là, normalement, je regarde, faites attention, hein, pas l'infinitif, hein, mais vraiment ici, le participe passé, parce que c'est le passé composé. Hein. Et puis l'autre chose, ben, normalement, ce n'est pas difficile, c'est partir à partir, hein, l'expression à partir de, donc ici partir, P-A-R-T-I-R. Donc ça c'est la première chose, et là vous réalisez que le verlan, eh ben, c'est pas quelque chose de très très récent. Regardons la deuxième chose concernant le verlan. Mais l'usage du verlan s'est particulièrement développé à partir de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'usage du verlan s'est particulièrement développé à partir de la Seconde Guerre mondiale. Alors regardons ici les trois mots que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'est un substantif qui est masculin. Ça, c'est pour votre information. Usage, c'est masculin. Usage, on l'écrit U-S-A-G-E. Donc ça, en général, ça n'est pas très, très difficile. Ensuite, c'est un adverbe. L'adverbe, c'est particulièrement. Souvenez-vous, c'est un adverbe de manière. Ça veut dire que cet adverbe est clairement
construit à partir de l'adjectif féminin. Donc l'adjectif masculin, c'est particulier. Le féminin, c'est particulière. Et ensuite, vous allez ajouter ment, M-E-N-T. Donc particulière plus ment, vous obtenez particulièrement. Et puis encore une fois, c'était partir. Ah, ça fait deux fois. Deux fois de suite. Eh bien écoutez, c'est comme ça. Je suis un homme d'un certain âge. Je commence à perdre la mémoire. Oh, c'est classique. Allez, troisième chose concernant le verlan. Il a été d'abord utilisé comme langage cryptique dans les milieux ouvriers et immigrés de la banlieue parisienne. Il a été d'abord utilisé comme langage cryptique dans les milieux ouvriers et immigrés de la banlieue parisienne. Alors Yossi, ne vous inquiétez pas, juste après cette présentation, nous allons bien sûr faire un atelier pratique de verlan. Alors, première chose, eh bien, c'est le participe passé du verbe utiliser. Donc, nous allons l'écrire, bien sûr, avec un magnifique accent aigu. Surtout pas de féminin. Hein, je ne sais pas pourquoi. Il y a certaines personnes qui voulaient mettre un féminin, mais là, non, hein, clairement, c'est « il a été utilisé ». On va le laisser ici au masculin, puisque le sujet ici, c'est c'est il. Ensuite, nous avons eh bien cryptique, l'adjectif cryptique qu'on écrit avec un y. Hein, donc ça, apparemment, vous l'avez bien écrit, à l'exception de Ice Cubes qui refuse d'écrire le y. Et pour quelle raison, on ne sait pas. Et puis l'autre chose, eh bien, c'était ouvrier. Ouvrier, eh bien, on l'écrit O-U-V-R-I-E-R. S. Et souvenez-vous que ça doit être au pluriel. Pourquoi au pluriel? Eh bien parce que milieu, il est au pluriel, donc ouvrier doit être au pluriel ici, et immigré, comme vous le voyez, sera également au pluriel. Allez, on va faire la lecture ensemble. S'il vous plaît, vous lisez à voix haute ces trois choses. Première chose, le verlan remonte au Moyen-Âge et a commencé à être utilisé par le peuple à partir du XVIe siècle. Deuxième chose, l'usage du verlan s'est particulièrement développé à partir de la Seconde Guerre mondiale. Troisième chose, il a été d'abord utilisé comme langage cryptique dans les milieux ouvriers et immigrés de la banlieue parisienne. Alors, regardez, et on va voir ensemble, hein, comme j'ai promis à Yossi, on va faire un atelier. Maintenant, c'est l'atelier de verlan. Enfin, je vais vous expliquer plus précisément comment ça se passe d'abord, et après, on fera l'atelier pratique. Donc, encore une fois, eh bien, c'est mon grand-père qui m'avait expliqué cette chose. C'est-à-dire que le concept est relativement simple. D'une certaine façon, vous avez un mot qui est comme ça, bonjour. Vous pouvez identifier ce mot et vous voyez qu'il y a, eh bien, bon d'abord, donc qui sera une syllabe, jour qui est la deuxième syllabe. Le concept du verlan, c'est de changer
d'inverser les positions de ces syllabes. Donc bonjour, jour, vous allez le mettre en première position, bon, vous allez le mettre en deuxième position et vous obtenez jour bon. Alors ça, c'est juste un exemple parce que ça, on l'utilise presque jamais. Mais c'est juste un exemple qui est très, très clair. D'accord ? Donc bonjour va se transformer en jour bon. Vous voyez une photo de mon grand-père et de ma grand-mère quand ils étaient à la plage. Ensuite, faites attention puisque vous avez certains mots comme barbe, par exemple. Alors si on réfléchit à barbe, on pourrait supposer qu'effectivement, en respectant la logique, on va se retrouver avec beubard. Ça, c'est possible, mais pour un côté phonétique, en fait, ça passe mieux si vous prononcez le E comme un E. Beubard. Barbe ne sera pas beubard, mais beubard. Si vous faites beubard, c'est pas un problème, mais c'est comme ça que normalement les gens vont le prononcer. Donc, ça veut dire que le E sera transformé en E. D'accord ? Barbe, beubard. Merci Riton, c'était mon grand-père. Alors maintenant, c'est l'atelier pratique. L'atelier pratique, eh bien voilà, on va commencer avec le premier. Alors Yossi, sur le principe, oui, c'est les syllabes, mais des fois, c'est un petit peu plus artistique qu'uniquement les syllabes. Ça peut être aussi les lettres. Mais bon, respectons le concept de la syllabe, comme je vous l'avais expliqué. On y va. Première chose, eh bien écoutez, dites-moi, écrivez-moi, comment vous mettriez le mot argent en verlan? Allez, je vous attends. Alors, regardons ça ensemble. Faites attention puisqu'il faut bien sûr se souvenir que c'est un argot, c'est de l'argot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son utilisation est principalement orale. Et donc, argent, eh bien, phonétiquement, vous allez mettre Jean en première position. On ne prononce pas le T. Donc le T ne doit pas être là. Si vous mettez le T, vous allez changer totalement la prononciation et donc il n'y aura aucune connexion avec le mot. Jean, et après vous pouvez mettre un H pour clairement faire la distinction. Argent se transforme en Jean-Ar. Hein, qu'on prononce, si on doit l'écrire, on l'écrirait comme ça avec le H pour faire la division entre le N et le A. Jean-Ar. Après, vous pouvez l'écrire de différentes façons si vous voulez, mais c'est de toute façon plutôt un argot et donc c'est quelque chose qu'on utilise oralement. On continue avec le deuxième. Vous allez devenir des spécialistes. Bien, bien, comment est-ce que vous pourriez l'écrire ?
Alors, là, effectivement, c'est yimbe. Donc, on va le prononcer, hein, yimbe. Donc, bien, c'est yimbe. Alors, le E, vous pourriez mettre un E à la fin si vous voulez, mais en tout cas, le B, il est clairement prononcé ici. Oui, Vincent, c'est 120. Ça peut être 120, 1, 2, 0, ou ça peut être 100 bouteilles de vin. Mais ça, c'est pas raisonnable. Alors, on continue avec la troisième chose. Le verbe, c'est un verbe régulier, bouger. Comment est-ce que vous pourriez me mettre le verbe bouger, s'il vous plaît, en verlan ? Alors, bouger, eh bien écoutez, même chose ici, comme c'est quelque chose qui doit être phonétique, ça veut dire que vous allez l'écrire comme ça, c'est-à-dire qu'on doit avoir le « et », hein, donc « j'ai », « j'ai », « e » accent aigu, et après « bou », « j'ai bou ». Alors, Yossi qui dit qu'il n'aime pas le verlan, Mais le verlan, c'est comme, finalement, c'est comme le passé simple. Hein. C'est comme le passé simple, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, et ça c'est un choix, mais vous allez l'entendre. Et surtout quand vous allez écouter des jeunes actuellement qui parlent, mais ça a toujours été comme ça, les jeunes peuvent utiliser assez facilement le verlan. Bon, rien de spécial. J'ai bou, voilà, donc j'ai bou, c'est le verlan de bouger. Allez, le quatrième, et le quatrième, c'est cher. Cher, souvenez-vous, j'avais donné un exemple avec un mot qui finissait en re-re-re. Hein. Souvenez-vous, cher, et là, il y aura une modification très clair de cet adjectif. Allez-y. Alors là, nous voyons que Cosmina Bellou maîtrise apparemment assez bien. Vous l'avez même mis avec le E final. Je ne savais pas si je devais le mettre ou pas. Effectivement, cher, c'est rush. Alors, comme ça, ou alors avec un E, tout ça, c'est très très élastique parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on prononce essentiellement et qu'on écrit très rarement. Donc, rush, alors faites attention, hein, je vous avais dit que le E doit être vraiment très 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 grave. Donc, c'est pas rush parce que ça existe et c'est un adjectif qui existe en français normal. Ici, c'est rush. D'accord ? Donc, cher va se transformer en rush, et rush finalement, ce sera la même forme pour le masculin ou pour le féminin. Regardons ensuite, et ce sera le dernier. Le dernier, c'est un verbe régulier, c'est le verbe choper. Choper, dites-moi ce que c'est, s'il vous plaît, en verlan.
Alors là encore, hein, nous sommes d'accord que l'idée c'est essentiellement de bien le prononcer, parce qu'après on peut l'écrire comme on a envie de l'écrire. L'idée c'est vraiment de le prononcer P, 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 P. Alors logiquement on va pas mettre le R, parce que si on l'écrivait comme vous l'avez écrit Marc avec le R, ce serait percho. Donc pas de R, vraiment on va l'écrire P comme ça. Pécho. Alors son crode l'a écrit avec A-U-D. Oui, pourquoi pas. Tout est possible. Hein, donc c'est pécho. Chopé se transforme en pécho. Voilà. Et donc c'est ça, c'était le verlan. On aura peut-être l'occasion de travailler sur le verlan dans les cours qui suivent. Nous verrons. C'est toujours amusant de travailler là-dessus. Et surtout, vous pouvez l'entendre assez facilement, plus facilement en tout cas que le passé simple. Allez, la citation du jour, ben c'est Aristote, hein. On va faire dans les grands classiques, celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Eh bien, comme d'habitude, que pensez-vous de cette citation ? Alors là, c'est le mystère. C'est le mystère. Il y a 175 personnes qui regardent et il me manque juste 4 likes. Ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable. Cliquez sur votre bouton. Cliquez. Je voudrais. Et ça me ferait plaisir. 100 likes pour ce live. C'est un minimum. C'est un minimum. Merci beaucoup. Alors, Olga est la première et elle nous dit clairement « d'accord ». Olga ne développe pas. Non, 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 elle ne développe pas. Elle va à l'essentiel. Yesero nous dit « ça veut dire que quelqu'un qui ne reste pas avec toi jusqu'à la fin est un faux ami ». Ben oui. Son crode, un ami est toujours un ami pour la vie. Hillary qui nous dit « c'est vrai ». Un vrai ami ou un véritable ami est toujours, avec un S, un ami. Han qui nous dit « ce n'est pas vrai car il y a des mémoires qui existent des amis ». Je ne suis pas sûr que j'ai compris. Ça, j'ai un doute. Omar, si tu as un ami, de vérité, c'est pour toute la vie, un vrai ami. Daria qui nous dit, c'est un grand philosophe. Je lui fais entièrement confiance. Il pense que si c'est un véritable ami, il sera à vos côtés dans la grande majorité des cas pendant toute votre vie. MJ qui nous dit, pour moi, ça dépend de la situation, dans la raison pour laquelle vous n'êtes pas ou plus amis. Ice Cubes, je pense que les gens que j'ai connus dans la vie... Oui, Aristote a raison, monsieur.
Ok. Maria Bethania, à mon avis, un ami, c'est pour toutes les occasions. Yossi, les amis et la famille servent à nous ou servent... Attendez, servent à nous pour aider à remonter. Est-ce que c'est... Nous servent à remonter? J'ai du mal à vous suivre, Yossi. Julia, oui, je suis d'accord avec Monsieur Aristote. Et vous, vous êtes un spécialiste de l'amitié? Oh non, 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 non. Cosmina Bellouf, je ne suis pas d'accord. Dans une relation, soit elle d'amitié ou d'amour, les déchirures peuvent se produire pour diverses raisons. Mélissa qui nous dit, on est d'accord qu'Aristote est un grand penseur, mais je ne suis pas forcément d'accord. Les gens changent, et y compris moi-même. Bourneville Lover, peut-être, mais quelquefois, les personnes grandes se séparent d'une certaine façon. Daria 100, non, moi je vois juste 99. Peut-être que quelqu'un a cliqué et ou ne clique plus, je ne sais pas. Antonio, c'est vrai, un ami est toujours avec toi. Simi, bonsoir, bonsoir. Marc, un ami est plus proche que la famille. Derdre, si on est amis, il faut que nous restions les amis pour toutes nos vies. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Allez, c'est le dernier épisode, c'est le dernier épisode de la première saison de Emily in Paris. Alors, comme vous le savez, on a déjà couvert tous les épisodes, donc on connaît l'histoire maintenant. Si vous voulez voir la série, c'est possible. Sinon, eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Comme d'habitude, je vais lire et vous écrivez les mots qui manquent. Emily a de grosses difficultés au cours de la Fashion Week de Paris et elle ne sait pas si elle pourra garder son travail. Elle se démène pour essayer de concevoir un nouveau plan pour ne pas repartir aux États-Unis et pouvoir rester dans son agence parisienne. Emily a de grosses difficultés au cours de la Fashion Week de Paris et elle ne sait pas si elle pourra garder son travail. Elle se démène pour essayer de concevoir un nouveau plan pour ne pas repartir aux États-Unis et pouvoir rester dans son agence parisienne. Écrivez les mots qui manque, s'il vous plaît. Alors, nous étions à la recherche de plusieurs mots. Le premier, c'est un adjectif et il doit être au féminin pluriel parce que difficulté, c'est féminin et ici, c'est au pluriel. Donc, grosse, GROSSES. Ensuite, c'était le verbe savoir qui est conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Elle sait, S-A-I. Ensuite, le verbe pouvoir qui là est au futur simple. Troisième personne du singulier, elle pourra, P-O-U-R-R-A.
Ensuite, c'était un verbe qui est à l'infinitif et c'est le verbe concevoir. Souvenez-vous que c'est un verbe du troisième groupe et il est un petit peu olé olé. C-O-N-C-E-V-O-I-R. Ensuite, le mot, c'est un substantif et c'est plan, hein, que l'on écrit P-L-A-N, et ça, en général, ce n'est pas difficile. Et la dernière chose, eh ben, c'est un substantif, un nom, et c'est agence. Alors faites attention, hein, c'est féminin, une agence. Mais comme ça commence avec le son d'une voyelle, on utilise les possessifs masculins son, souvenez-vous. Hein. Donc agence, on écrit A-G-E-N-C-E. Allez, s'il vous plaît, lecture avec moi. On y va. Émilie a de grosses difficultés au cours de la Fashion Week de Paris. Et elle ne sait pas si elle pourra garder son travail. Elle se démène pour essayer de concevoir un nouveau plan pour ne pas repartir aux États-Unis et pouvoir rester dans son agence parisienne. Et on a fini, youpi, avec Emily in Paris. Alors, Mathis Gagnon, qui est français, nous rejoint. Ben, ça fait plaisir parce que vous nous rejoignez pour la dictée. Donc, on va voir s'il a le courage de faire la dictée avec nous ou pas. En général, les Français n'aiment pas beaucoup les dictées. Alors, nous commençons avec la première phrase. On y va. Je vais lire cette phrase deux fois et vous écrivez la phrase « C'est une dictée ». Nous aidons nos amis à déménager. Nous aidons nos amis à déménager. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, je vois vos phrases qui commencent à arriver. Je pense que notre ami Mathis est parti parce que les Français n'aiment pas les dictées. Rien de nouveau. Regardons ici. J'avais envie, effectivement, d'utiliser tout simplement le verbe aider au présent. Nous aidons. Ça, c'est pas très difficile. Nos amis, je mets l'option du féminin, bien sûr, puisque vous pouvez avoir le masculin ou le féminin pluriel. Ici, le verbe aider, quand vous le construisez avec un autre verbe, eh bien, vous allez utiliser la préposition à. Et le verbe qui suit doit être, bien sûr, à l'infinitif. Nous aidons nos amis à déménager. Globalement, vous avez bien écrit les phrases, donc félicitations. Nous allons passer à la phrase suivante, qui est niveau A2. Elle refuse de l'aider car elle ne peut pas le supporter. Elle refuse de l'aider car elle ne peut pas le supporter. Écrivez la phrase, s'il vous plaît.
Alors, regardons la phrase. Bon, le verbe n'est pas problématique puisque c'est le verbe refuser au présent. Elle refuse avec un E. Ensuite, comme vous pouvez voir, on utilise le verbe refuser avec la préposition de quand vous mettez un autre verbe. Elle refuse de l'aider. Votre pronom complément d'objet direct, elle, apostrophe, doit être avant votre infinitif, bien sûr. Donc, l'aider, et puis après, car, elle ne peut, ça c'est le verbe pouvoir, qui est effectivement au présent, troisième personne du singulier, elle peut, P-E-U-T. Elle ne peut pas le, encore une fois, un pronom complément d'objet direct qui est juste avant le verbe supporter. Elle refuse de l'aider car elle ne peut pas le supporter. Très bien. Regardons ensuite, tout simplement, la troisième phrase, c'est du niveau B1. Malheureusement, nous n'y avons pas vraiment pensé. Malheureusement, nous n'y avons pas vraiment pensé. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble la phrase. Ici, nous commençons avec l'adverbe « malheureusement ». Souvenez-vous pour la construction, c'est un adverbe de manière. Donc, on va d'abord commencer avec notre adjectif au masculin « malheureux » que nous mettons au féminin « malheureuse » et puis nous ajoutons le « ment »« malheureusement ». Nous n'y avons pas vraiment penser. Faites attention, j'avais envie ici de vous mettre le verbe penser au passé composé. Nous avons pensé. Ensuite, bien sûr, on va mettre une petite négation. Nous n'avons pas pensé. Et puis, j'ai envie de mettre un adverbe pour changer un petit peu, pour atténuer. Mon adverbe, je vais le mettre juste avant mon participe passé. Nous n'avons pas vraiment pensé. Et puis, pourquoi ne pas mettre un pronom, le prénom, le pronom, vous allez le mettre avant votre auxiliaire avoir. Nous n'y avons pas vraiment pensé. Félicitations. Vous avez quand même globalement bien écrit la phrase et ce n'était pas très facile. Regardons la dernière phrase et comme d'habitude, niveau B2, vous imaginez ce qui va arriver. Il ne faut absolument pas qu'elle puisse l'apprendre. Il ne faut absolument pas qu'elle puisse l'apprendre.
Alors, regardons ensemble. J'ai, en lisant la phrase, j'ai réalisé que phonétiquement, il y avait deux possibilités. En tout cas, pour la transcription phonétique. Donc, attention. Il ne faut absolument pas qu'elle puisse l'apprendre. Tenez, je vais vous le mettre en rouge, si c'est possible. Voilà. L'apprendre, finalement, vous pouvez le prononcer de deux façons, c'est-à-dire que, enfin, vous pouvez l'écrire de deux façons. Donc, soit c'est la première possibilité, l'apprendre, et là, c'est le verbe apprendre avec, donc, le pronom qui est juste avant, le pronom complément d'objet direct. Il ne faut absolument pas qu'elle puisse l'apprendre. Alors ici, je voulais mettre le verbe pouvoir, bien sûr, au subjonctif présent. Tout simplement parce que il ne faut pas que, après vous allez mettre un subjonctif présent. Le verbe pouvoir, puisse, je puisse, tu puisses, il, elle puisse. Ensuite, deux possibilités. Je pense que dans la majorité des cas, vous m'avez proposé le verbe apprendre. L'apprendre, si vous avez entendu la prendre, la deuxième possibilité avec le verbe prendre, c'est tout à fait possible aussi. Donc les deux sont possibles. Bien sûr, c'est en fonction du contexte qu'on va savoir si c'est le premier ou le deuxième. Merci beaucoup. Alors, ça peut vous sembler bizarre, mais si vous avez eu l'occasion de voyager, d'habiter dans d'autres pays, eh bien, il y a un moment où, quand vous apprenez une langue, il est nécessaire de pouvoir parler de maladie. Vous allez à la pharmacie, vous allez chez le docteur, il y a des moments où vous devrez être obligé de parler de ça. Et c'est assez difficile de le faire en général dans une langue étrangère. Donc, nous allons parler eh bien, de la maladie du jour. Et la maladie du jour, eh bien, regardez, c'est le rhume. La maladie du jour, donc, c'est le rhume. Et le rhume, eh bien, nous allons, comme d'habitude, le définir en trois points. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons commencer avec, eh bien, la première chose. Le rhume est une infection fréquente et généralement bénigne des voies aériennes supérieures par un virus. Le rhume est une infection fréquente et généralement bénigne des voies aériennes supérieures par un virus. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît.
Alors, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'est un substantif et c'est infection. Infection, c'est féminin, comme la majorité. J'oserais dire la totalité, mais faut toujours se méfier. La majorité des mots en ION. On l'écrit INFECTION. Une infection. Ensuite, eh bien, c'était un adjectif. Et l'adjectif, c'est au féminin pluriel, puisque voix est un mot féminin pluriel. Regardez, aérienne, on va mettre E-N-N-E-S. Donc, aérienne, c'est notre deuxième mot. Et bien, le dernier mot, malheureusement, nous le connaissons bien. Et ce mot, c'est virus. Et virus, on sait comment l'écrire parce que c'est comme ça dans beaucoup de langues. V-I-R-U-S. Virus. Allez, on attaque avec, si vous voulez bien, les trois mots suivants. Les symptômes du rhume se manifestent par des éternuements, une toux, une congestion et un écoulement nasal. Les symptômes du rhume se manifestent par des éternuements, une toux, une congestion et un écoulement nasal. Alors, regardons ensemble, j'essaye de réparer une machine qui vient de me dire « Je ne travaille plus, je fais la grève !» Alors, on attaque, nous étions ici à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'est un substantif, symptôme, on l'écrit avec un « e » à la fin, souvenez-vous. Et donc ici, il doit être au pluriel, donc « e » et « s ». Ensuite, c'est un autre substantif et c'est « éternuement ». Alors faites attention, ça n'est pas facile à écrire puisque il y a un « e » muet juste après votre « u ». Le verbe, c'est « éternuer ». Hein, éternuer, donc vous entendez clairement qu'il y a un E, et ici le substantif c'est éternuement, et donc on va le mettre au pluriel puisque vous avez votre article qui est des. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est une toux. Le verbe c'est tousser, T-O-U-S-S-E-R. Ici c'est le substantif, une toux. Le X final n'est absolument pas prononcer. Donc une toux,
T-O-U-X. Et regardons la dernière chose, si l'ordinateur n'arrête pas de fonctionner d'un seul coup d'un seul. Allez, on y va. Le rhume provoque, alors avec le E qui manque, regardez, je vais corriger. Le rhume provoque de la fatigue, des maux de tête, une perte d'appétit, mais pas de fièvre. Le rhume provoque de la fatigue, des maux de tête, une perte d'appétit, mais pas de fièvre. Écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons, parce que ici, je peux vous dire que c'est la guerre. Je ne sais pas comment je vais faire pour réussir la fin du cours, mais on va réussir, on va réussir. Allez, trois choses que nous devions trouver ici. La première chose, eh bien, c'est un substantif. Le substantif, c'est la fatigue. Alors, vous connaissez, j'imagine en tout cas, l'adjectif. L'adjectif, c'est fatigué. Mais ici, nous sommes à la recherche, tout simplement, du substantif la fatigue. On l'écrit F-A-T-I-G-U-E. Ensuite, ici, le deuxième mot, eh bien, c'était le pluriel de mal. Souvenez-vous, un mal, comme dans l'expression avoir mal. Ici, nous cherchons en fait le pluriel. Et le pluriel de mal, eh bien, c'est mot. M-A-U X. Et c'est masculin ici, donc un mâle des mots. Alors attendez, bien sûr, il y a toujours quelque chose qui arrive, voilà. Et puis la dernière chose, c'est encore une fois un substantif, et le substantif, eh bien, c'est la fièvre. Fièvre, vous l'écrivez F-I-E, accent grave, R-E, et comme vous voyez, ah non, vous ne le voyez pas, donc c'est féminin. C'est un mot féminin, la fièvre. Allez, comme je vous dis, c'est un petit peu sportif maintenant pour finir, mais on va y arriver. J'espère que vous allez lire avec moi ces trois choses. La première chose. Le rhume est une infection fréquente et généralement bénigne des voies aériennes supérieures par un virus. Deuxième chose. Les symptômes du rhume se manifestent par des éternuements, une toux, une congestion et un écoulement nasal.
troisième chose. Le rhume provoque de la fatigue, des maux de tête, une perte d'appétit, mais pas de fièvre. Alors, effectivement, Yossi, merci hein, pour le « e » qui manquait, mais, mais là, je peux vous assurer, Yossi, que c'était... la machine a réussi à redémarrer, ça n'a pas bloqué. la transmission, c'est formidable. Finalement, on peut y arriver parfois. Regardons ensemble maintenant, c'est la dernière chose. Et bien sûr, pour les personnes qui étaient aussi courageuses que vous, je vais vous donner la possibilité de gagner eh bien, un cadeau d'une valeur de 180 $. Regardez. Et bien sûr, s'il vous plaît, attendez que la musique commence pour commencer. Ça, c'est la seule chose. Hein. Donc, vous pourrez commencer quand vous entendrez la musique, mais pas avant. Regardons ensuite. Donc, les personnes qui n'ont pas encore gagné, effectivement, sont les seules personnes qui peuvent participer. Ça, c'est comme d'habitude. Hein. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. Regardez, donc je vais bien sûr, j'explique ça pour les gens qui nous rejoignent, je vais penser à un nombre de 1 à 100. Vous allez essayer de trouver, de deviner ce nombre et eh bien la personne qui va gagner aura la possibilité d'avoir un accès à ma plateforme frenchwithvincent.com. Songcrotte doit aller faire les courses, eh bien au revoir et à bientôt. Donc c'est clair, c'est simple. Ça n'est pas compliqué, tout le monde peut participer, sauf les personnes qui ont déjà gagné quelque chose avant. Je vais commencer, attendez une seconde, prendre mon papier qui était tombé par terre pendant que je me battais avec la machine. Je vais noter, c'est parfois difficile, mais allez, hop. Oui. Alors, attention. Attention, attention. Yossi qui commence à négocier. Yossi, soyons raisonnables. Alors, regardons ensemble maintenant les choses. Les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Allez, j'espère que vous êtes prêts, puisque maintenant, vous pouvez commencer. Alla maailma ja ne tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka allen sinut musertaa. Me kyllisen reunan ja asetut roikkumaan niin. Ainoa mitä tehdä pitää on pitää kiinni.
Eh bien, c'était rapide. Et ça fait plaisir quand c'est rapide, parce que j'ai toujours peur, effectivement, de me retrouver dans une situation incroyable. Hola my life! Ah, excusez-moi, je n'ai pas marqué le chiffre. Et je sais que Olga dit toujours Vincent, Vincent, il faut marquer le chiffre. C'était 70. Attendez, je vous le note. Voilà. 70. Hola my life. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Parce que vous êtes arrivé. C'est incroyable. Vous arrivez en retard. Bon. Et vous gagnez. Vous gagnez. Eh ben, félicitations. Tout le monde doit dire bravo, bravo, bravo à Hola my life parce que vous avez, eh bien, gagné. Alors, Hola My Life était là. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui arrive comme ça pour la première fois. Non, non, non. Elle a déjà participé, donc ça fait plaisir qu'elle puisse gagner. Alors, regardez Hola My Life. Ça va être assez simple, en fait, pour... Regardons ensemble comment ça va marcher. Voilà. Vous devez juste aller sur frenchwithvincent.com, vous créez un compte, vous m'envoyez un petit message... à l'adresse thewinner@fluent2plus.com et vous dites c'est moi, j'ai gagné, donnez-moi l'accès et je vous donnerai l'accès au cours. Voilà, donc ce sera assez simple. Normalement, ça se fait assez rapidement, mais j'ai quelques petites choses en ce moment à faire, donc ça peut prendre quelques jours, soyons tolérants. Merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ces rôles. Voilà, encore une fois, 2h30 ensemble. Donc, nous n'aurons pas le temps de tout faire. Là, ah, voilà. Et ben voilà, c'est la fin, c'est la fin. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Sei stuksin, parvekkeen kaiteella. Alla maailma, jonne et tahdo palata. Suurin ongelma on, nyt ei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka allen sinut musertaa. Sen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni. Roikkumaan niin. Et aina.
novità della vita, un vita chi.